Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Je suis content de parler avec nous. Aujourd'hui, c'est lundi 12 juin 2023. Et c'est le premier jour de la semaine. Je suis content de nous espérer que nous passer un très bon week-end. Ça va côté. Mais pour nous-mêmes, nous là, nous réveiller et nous content que nous l'avons. La pluie va tomber là. Puis vite, ça, on n'a plus capable de faire là. En tout cas, et quelques grandes conditions à dominer l'actualité. Et États-Unis sont censés accuser la Chine qui a gagné une sorte de pied à terre, bien encore, qui ont entente avec Cuba depuis 2019, pratiquement pour l'ouvrir un bureau l'autre bord là, le retrait de l'espionnage, etc. États-Unis ont porté des informations dernièrement, c'est pas trop salté, mais on a porté précision et ils ont dit c'est ça, mais la Chine dit non. Et c'est pas qu'on s'allie. Je vais aller pour nous et Gauthier a pu tomber là, alors je vais aller beaucoup plus rapide dans ce qui a passé. Puis l'Ukraine avec la Russie toujours dans le premier lien entre eux. Donc l'Ukraine continue à penser sur l'État contre la Russie pour décider de reprendre le territoire qui est en bas de contrôle. Russie depuis des guerres, ça a commencé, ça a tout passé dans l'année. Et puis nous avons ancien président Donald Trump, lui-même, qui est pour lui. Et présenté devant le tribunal fédéral en Floride. Et après, un grand jury est inculpé pour façon qu'il gère des documents fédéraux ou des documents fédéraux. Et je vais parler sur ça avec nous dans le journal et la Justice de Division après-midi. Mais il vient pour présenter. Donc ça veut dire que ça va aller après une tête. Parce qu'une fois qu'il est accusé, il faut le rentrer dans le tribunal. Donc le tribunal doit choisir qu'un bel. Ou bien, vous allez aller et puis bah, on date pour certainement pas le bon jugement. Mais en plus, le monde, pour gens que l'ancien président parlait, est-ce que le parlement est coupable ou non coupable, n'a pas pu le dire lui-même. Mais le rendez-vous, c'est mardi 13, non, tribunal fédéral américain, côté ancien président, parle présenter pour répondre avec accusation au grand jury, pour faire pour abuser de façon que le jury était géré et document fédéral, que le dit c'était des documents qui étaient pour lui, mais qui nous mettaient secret, etc. L'FBI a été débarqué la Cali, des documents sérieux, des documents différents, et puis ça dépend des partis qui sont toujours partis, républicains ou démocrates, il y a une république qui est toujours pour du soutien au Mali, dit que monsieur, en principe, le système judiciaire américain dit oui, innocent jusqu'à ce qu'il ait prouvé qu'il est coupable. Donc son grand juge qui va prendre décision ça. Non, l'autre question, quoi qu'il y ait, on parle de questions ça. Et puis, et le grand programme de l'actualité, surtout pour ça, concernant les pays d'Haïti, c'est pour la première fois une élite, sans dire l'élite politique Haïti, dehors, aller dans l'autre pays pour discuter de crise pays d'Haïti. Nous avons une élite là, près d'une trentaine, si pas plus même, politique que ce soit dans la société civile. Que ce soit Sénat et leaders politiques eux-mêmes, que ce soit ces groupes d'oiseaux humains. Donc, nous avons ça les crème, ça, et puis dehors, en Jamaïque. Alors, comme dit Novembre, nous avons demandé d'aller un petit permission pour être capable de faire live là avec nous. Et parce que normalement, jeudi à jour, demain à jour, il y a des journées par les, donc, moi, je ne suis pas libre, nous avons fait avec nous sur quelques pays. Quelques autres points qui ont donné l'actualité, qui certainement que Valérie lui-même, pour savoir plus de ça qui passe en Jamaïque. Alors, moi, je suis capable de dire des coups. Ils sont dératés. Et le premier ministre Ariel Henry, qui était Bahamas dernièrement dans le sommet et leader CARICOM, et bien, il était en Jamaïque. Il a prononcé son discours. Il a prononcé son discours devant délégué. Alors, il y a les oreilles, il dit, mais nous-mêmes, nous avons fait, mais rencontre ça, nous avons participé là-dedans, là, nous avons fait le tour en Haïti, et puis, il faut nous pas participer là-dedans. Et je dis, mais nous tous venons là, nous venons là. Alors, il dit tout, en gros, il dit que nous ne pas venir là pour nous signer un accord, parce que c'est déjà un accord déjà. Donc, je ne vais pas signer un accord encore. Quelle est son déclaration? Et puis, il dit que nous pas un poste ministériel. Que pour nous bailler moun. Donc nous objectif point c'est organiser les élections et puis passer gouvernement passer pouvoir bailler un gouvernement élu. Alors dans le discours avec le comité Kembe, il dit que
il dit que ouais, nous va mission l'autre accord et puis il dit que oh il dit non parmi nous qui là alors longe de sur un groupe bien déterminé parmi nous là gain nous qui est plan pas nous nous pas aller à l'élection pour faire élection nous va aller mais nous voulons pour nous présenter un gouvernement à deux têtes. C'est-à-dire qu'il y a un président, nous déjà fait, un président à deux têtes, un président avec un premier ministre, et un autre encore qui est seulement un premier ministre. Donc là, il a parlé de tête de là. Mais il dit qu'il est juste ici parce qu'il ne croit pas. Donc il a semé dans les coulisses et participe de la présence, ou bien encore délégué haïtien qui était là. Si ça devait être en Haïti, peut-être qu'il y aura la présidence là. Mais il n'y a pas trop fin, trop d'accord avec la déclaration du premier ministre Ariel Henry fait. Donc, c'est certainement qu'il y a un petit bail qui va parler là, qu'il y a délégué dans la deuxième journée. C'est certainement qu'il y a discuté pour discuter sur la sécurité, qu'il y a discuté qu'il y a fait l'élection et le premier ministre Ariel Henry a parlé là. Il y a des gens qui disent bon, il y a même pas quoi que le pays a les conditions réunies pour gagner l'élection dans le pays là, vu que gagner doit gagner. Il y a les conditions de la sécurité de gagner qui vont mener la campagne. Il y a reproché le premier ministre, il dit ou même on ne peut pas même contre chaque élection, on ne peut pas dans l'élection, qu'il soit qu'on ait des élections, qu'on a fait nos leçons, etc. Pour l'élection, etc. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas attendu pour ouais. Est-ce que délégué qui l'a, est-ce que si tu as pu sortir une résolution, par exemple, que tu as relevé déjà la déclaration de Kingston, est-ce que tu vas faire ça? Et qui ça va gagner dans des déclarations ça, les parties finissent discuter en comité ou bien en groupe, les finissent discuter qui ça va gagner là-dedans. Est-ce que qui demande de faire premier ministre, et qui condition va faire tout et pas premier ministre. Mais bon, après nous dit que le premier ministre est doué pour participer à la négociation, mais le premier ministre n'est pas venu négocier lui-même, pas qu'une négociation là. Il remercie Jamaïque, il remercie CARICOM. Pour dire faut ça, pour façon que le grand pays d'Haïti, parce que c'est le pays d'Haïti, de façon de l'aider, mais lui-même lui dit que ne pas venir là, si on le parle. En tout cas, toute partie concernée, acteurs concernés, ils sont tous là. Il peut, ça n'est pas là. Il peut en pile, ça n'est pas là. Non, parmi les importants, il peut en pile, les gens qui parlent là. Il peut en pile, les gens qui parlent là. Donc, voilà. Son dossier qui capture, parce que pour le moment, les gens qui ont crainte, pour pas ta grand-mère, ta sortie dans un contenant contre Kinshina. Et je dis, c'est un embarrassement, même pour la classe politique là, et même pour le gouvernement, tout si on n'est pas sorti. Mais il y a des gens qui disent que le Valjamaïque n'est pas espéré, il y a un gros bagage qui a sorti là-dedans. Il y a des grandes questions qui ont posé, en plus, questions à poser. On a peut-être pour nous, parce que demain, c'est la troisième jour, nous sommes sur place de Valérie Saint-Louis qui a porté une nouvelle savoir nous et qui était certainement à chercher un contact avec acteurs politiques pour prendre des opinions qui semblaient qu'on gagorde, c'est-à-dire que monsieur n'a pas décidé de faire déclaration, il n'a pas parlé de rencontre, de ça qui est dans la rencontre, mais peut-être qu'il y a peut-être un dernier minute pour faire. Mais il y a des gens qui ont quand même, où on est, qui fait des échappements et qui fait des déclarations à côté. À côté, même si ce n'est pas des déclarations qui engagent personne, mais c'est bah, le public qui se connaît, ça qui a dit tout l'autre bois. Et puis, c'est ça. Et puis, je dis, ah, c'est fait pour le national, là, ça fait 28 ans. Donc, je dis, on est responsable syndicat PNHA qui a posé des conditions. Il a demandé aussi les bagages, il dit que PNH n'a pas les moyens nécessaires, etc. Alors, il m'a dit que si d'ici mercredi, il y a un paquet de policiers qui ont fait demande à ONA, qui ont fait prêt à ONA, ils ont commencé à payer prêt et puis ils ont commencé à l'argent. Donc, prêt ils ont fait dans l'ONA, parce que ils ont besoin de l'argent, ils ont commencé à payer prêt alors qu'ils ont commencé à l'argent. Alors, ils sont en train de parler, ils disent que si un n'est pas fait, mais mercredi, les policiers ont pas. Alors, pas tout, mais on les policiers concernés, par exemple, piquette devant l'ONA pour demander l'ONA de qui prévient. On a touché l'argent que je m'a prêté, que je vais commencer à recevoir et commencer à payer l'argent depuis qu'on y a. Donc voilà, Haïti fonctionnait et donc je dis au parlement piquette. Nous sommes dans la diabasse. Alors nous ne parlons pas de rencontrer avec la partie, je ne peux pas finir d'accord avec le ministre, non? Donc, mais il n'y a pas à faire le bon dans le pays, on va inviter nos barres pour faire des ordres. Et on va faire des ordres au conseil, on va faire des classes. Donc, monsieur Tija, poser l'esprit, calmer, pour être capable de
on va pas éclater dans mitan yo avec premier ministre avec premier ministre même monsieur qui est pas trop content tout discours ça et premier ministre il faut écouter que il était droit il pas pas ça pas premier ministre qui est pas diplomate il va voir ça à côté là directement dit que tout ça passe lui-même et que mais ça pas venir faire la lui et alors c'est raison ça mener monsieur c'est pour une solution avec crise là donc on vient pour et discours et pour le ministre Jamaïque là trois premiers ministres vont prononcer il y a même tout il y a besoin de crise parce que Haïti c'est voisin et toutefois bon problème là qu'un voisin problème là qu'un bon impact sur l'autre pays voisin et puis ça ne nous encore et puis le premier ministre a été confirmé il reconfirme ça le dit pas de me dire il dit que le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres pour demander un accompagnement militaire au PNH. Donc ça fait partie du cadre électoral parce que pour raison de sécurité, Haïti a besoin d'un accompagnement militaire pour aider les policiers à pouvoir couper les activités négatives. Et en attendant, la semaine qui passe, il y a deux attaques qui font la caille, deux anciens sénateurs. Et c'est des hommes armés qui font attaquer, c'est calmé en Cantabre avec un autre sénateur. Et son sénateur nord-ouest, ancien sénateur nord-ouest, et les armés boulés, qui ont une même, les boulés qui ont été différents cas là, c'est sapeurs-pompiers d'abord, et puis la police nationale qui est arrivée sur place, qui sauve le sénateur dans une déclaration faite par la presse, il dit que lui est la mort en face. Tellement il y a eu pire car là, sans pire car là, une pire car là, il y a eu différents cas là. Come on in. Come on, sit. Come on. Is 12th Street down this way? 12th Street? Like 12th Street. No, this is, if you're going this way, it's this. It's this way. It's this, no, this is this. Yeah. So you go this way. So 12th Street down? Yes. Okay, thank you. You're welcome. Okay. Vamos, não, mano. E bi... Ça n'a pas encore, et puis on fait un travail de sport, nos amis. Section nationale de football masculin haïtien a travaillé sérieusement. Monsieur, pas presque tout joueur, mais plus fort joueur qui était sur place. Je dis à rien quelques joueurs qui ont encore. Pour compléter la sélection, on a préparé là. Et en bas, j'ai entraîné Calderon. En tout cas, monsieur, nous m'avons mis à entraîner, à préparer, nous avons préparé Haïti. Et il a joué trois matchs de groupe. Et contre Qatar, contre Mexique et contre l'équipe Honduras. FIFA a annoncé tout un gros prime pour mesdames, et qui va participer dans la Coupe du Monde. Pour les petites équipes qui participent, mesdames et les gens qui participent dans le premier tour, juste dans le premier tour. Premier tour, je vais vous dire ça. On va aller dans le premier tour, mais il y a pour recevoir 30 000 dollars chaque jour. Alors, fédération, attendez, parce que d'habitude, fédération, qu'on ne fait aucun. À la fin, vous parlez payer joueurs, vous recevez l'argent, et puis les joueurs étaient bredou, ils ne vont pas me toucher comme eux, ils ne vont pas me toucher comme eux. FIFA a annoncé que l'équipe qui, juste pour le premier tour là seulement, 30 000 dollars. Et puis, il y a une prime de match, il y a combien de fédération et tout, pour préparation sélection. Et pour préparation sélection, donc, joueurs informés qu'on y a, parce qu'on y a FIFA pas caché, il faut mettre barre dans la rue. Donc, fédération va venir nous gagner l'argent, et prêter nous prêter. Pour nous acheter ceci, pour nous faire cela, il faut payer des dettes, etc. Donc, peut-être là, il y a un coup de FIFA Barou pour payer des dettes là. Il y a un coup de FIFA Barou pour préparer son sélection. Mais il y a un prime tout, comme pour choisir même pour recevoir, même après la compétition a fini. Donc, plus ils ont avancé, c'est plus l'argent, moins plus sûr. Et puis, il y a un peu de Manchester City, c'est nouveau champion. Et Ligue européenne, Ligue champion européen, c'est le champion. Avec Pep Guardiola, mes amis, ça fait monsieur trois cabesses pour saison 1. Monsieur prend Coupe d'Angleterre, monsieur prend Coupe de la Ligue, alors, et champion après la division 1, et puis il a fini pour y avoir point. Ça. Non, c'est l'année, et monsieur Poté, c'est là pour la première fois, tout n'a tout que l'équipe Manchester City a remporté Ligue champion européen pour la première fois. Donc, voilà, Pep Guardiola. Il s'est continué à faire l'histoire en tant qu'entraîneur. Et puis il y a Seb Novak Djokovic, monsieur dans la lune qu'on est là, monsieur prend tête pour le temps comme monsieur qui a remporté plus de titres Grand Chelem dans l'histoire et compétition dans l'histoire de tennis, Grand Chelem, et bien monsieur Calé,
frère, son Norvégien. Et son Norvégien, Gasper Wood, 7-6-6-3-7-5. Et pour remporter le titre, tournoi de tennis Grand Chelem, deuxième tournoi de tennis Grand Chelem pour l'année, on a parlé de Roland Garros. Et bien ça fait monsieur un troisième titre, et monsieur des là, et espagnol, Rafael Nadal. Donc monsieur n'a pas pourtant, et monsieur tourne de même que tout monsieur classé, je dis à là, comme numéro un mondial. Et puisque nous avons une activité sportive, Abdou est ancien premier ministre. Et milliardaire, ou millionnaire, ou italien, Silvio Berlusconi, c'est ancien premier ministre, monsieur passe en pile par être problème légal, etc. Monsieur Sonek qui pote équipe Milan sous Doli, monsieur Sonek qui était toujours proche, joueur et entraîneur, et puis monsieur Mouri Matin. Monsieur Mouri Matin en Italie, et en termes de monsieur a fait ça, en termes de monsieur a fait mercredi, non, Milan. Milan, donc, 4 heures, c'est là son funérail national que M. Berlusconi a recevoir. Et puis, alors, n'est qu'il n'y a pas l'oublier, M. qui fait la gloire, n'est qu'il fait gloire à l'équipe milanaise en année 80, fin année 80 et début année 90, on a parlé de trio et hollandais, Francisca, Wout Gullit et puis Marco Van Basten. C'est ça l'équipe milanaise. Et je vais raconter un petit peu. L'équipe Milan a joué un match éliminatoire, a joué un match européen. Et puis dimanche, match Serie A, li a lié l'autre équipe. Tellement l'équipe a été tout joué dans l'équipe a été bon à l'époque là. Dimanche, ils mettent l'autre équipe sous terrain. Et puis, dans ce maintenant, match, que ce soit, c'était Ligue des Champions, c'était Coupe des Coupes, Coupe des Vainqueurs de Coupe, et bien, l'équipe de la technique doit mettre l'autre équipe encore sous terre. Nous avons une équipe ici qui a fait ça, c'était DC United, à l'époque entraîneur et Bruce Arena qui a fait l'équipe là. Et bien, monsieur, l'équipe doit jouer, ce jeudi à jouer en équipe, de mettre l'autre équipe parce qu'il a joué pour ça, et même pour un gardien, jeudi à mettre un gardien. Et il était tellement gardien, il était tellement bon, il n'a pas pu mettre des gardiens, mais jeudi à mettre un gardien. Dans le prochain match, mettons le gardien, parce que le gardien a la même force et le même résultat. Ou tu as perdu à Lyon, tu as perdu à l'autre, là, perdu à l'autre, là, tout. Ou tu as gagné à Lyon, et tu as bien avec toi. Je m'attends au problème pour ça. Et le monsieur a un résultat tellement vrai. Dans le championnat de la Ligue Ballon américain, les deux premières années, début du championnat, ça n'a pas lieu de 95-96, et bien c'est DC qui a remporté le titre. Puisque c'est une équipe qui a déjà traîné dans la compétition. Et puis, et puis dans le championnat du monde U20, masculin U20, et bien Uruguay c'est lui qui remporte lui, après lui Calé, qui est l'équipe Uruguay Calé. Uruguay Calé, Italie, 1-0. Et ça, après 3 tentatives, finalement l'équipe Uruguay a remporté le championnat U20. Et donc c'est une bonne équipe qui. Et puis ça n'a plus encore. C'est bon bilan définitif, mais dernier bilan c'est tant de terre qui était fait dans Jérémie, dans Grandance, et bien il y a eu 4 morts, 37 blessés, et 37 blessés. Et c'est ça que son sabre a eu. Et puis voilà, c'est ça, c'est le nom de bonne journée. Ça nous espère qu'on passe un bon week-end. Moi, je m'appelle à la CAM, je dis, je parle surtout de président Donald Trump qui est pour descendre et pour aller devant en Floride, devant le tribunal fédéral. Pour la congrégie inculpée et de façon que de gérer les documents secrets du gouvernement américain. Hein? Et puis, il y a un dossier qui a plus de monde à suivre. Puis, ouais, parce que nous rappelons que l'ancien président Donald Trump l'a mené dans l'intention de vote. Le Parti républicain, comme candidat, qui a cherché une nomination du Parti républicain. Hein? Et le dossier s'est encore gardé, puis, est-ce que ça va la faire? Quand pas la mener, mais pas de loi critique, même si que le talent en prison, depuis que pas de loi critique, il n'y a pas de continuer la campagne. Et ça, que il continue à faire samedi, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de dire. Il y a les départements de justice avec les départements de justice. Et même, il y a accusé de démocratie aussi de l'administration américaine qui a poursuivi. Cap on chasse aux sorcières qui a poussé, etc. Il m'a dit pour
pour pas financer encore et agence bureau d'investigation américain que le FBI. Donc c'est ça le deal, il pas dit. Le président Donald Trump pas maintenant moi il l'a parlé, il pas marchand de ça, il pas dit tout ça et c'est lui même hein, qui t'a annoncé que jury a accusé et inculpé pour façon que le géré le dossier que t'ai demandé pour te remettre mais le bâtiment remettre et bien finalement l'administration mène enquête pour monsieur Yal pour monsieur Lacalli et jeune qu'il a gagné des documents secrets et c'est des documents secrets qui vont en secret qui concernent le système de défense américain qui concerne et façon préparation attaque des États-Unis t'as calé c'est contre un pays si un pays t'a attaqué qui est un t'as répondu à eux tout bas ça voilà bon puis là puis qu'après qu'après il là donc ma petite je dis arrêtez branché sur moi sur VOA allez sur plateforme nous on va avoir une toute déclaration et des membres quelques membres dans la délégation et politiciens et qui est encore et membres de société civile qui dans Jamaïque et qui cherche une solution à la crise politique pays d'Haïti à travers là en tout cas n'a dit que et délégation ça tout yo critiqué premier ministre Henri dit qu'il pas fait rien pendant 2 ans et que je dis elle continue à parler d'élection elle continue à parler que pouvoir pas transférer bay moun k'a parler yo besoin prend pouvoir mais pas aller à l'élection yo veut simplement yo veut même pour yo simplement et yo gen gouvernement pa yo gen gouvernement à deux têtes. Et avec lui-même, il dit que c'est un pouvoir qui a bâillé un gouvernement qui est lui qui a soutenu dans l'élection. Nous allons suivre qui a soutenu tout dans la résolution, s'il y a bonne résolution ou bien déclaration, s'il y a bonne déclaration, parce que c'est un objectif et rencontre Kingston, là, côté responsable de promettre et discuter avec espoir. Après, si tout le monde qui va aller se lui interviewer, eux exprimer optimisme. Qui a bon bagage qui a sorti, d'ailleurs, dit pour ça aussi. Donc, vous avez bon bagage qui a sorti. En petit tour, nous passons un très très bon week-end, une très bonne semaine avec la Banque d'Amérique. Continuez de nous connaître ce qui a passé. Et pas seulement sur la situation dans le pays d'Haïti, mais monsieur le Police National, en petit tour, bonne fête. Bonne fête, 28 ans. Alors, et syndicat Sinapoa, il m'a demandé pour que. Jean-Loi a dit que l'autorité de bail promotion chaque période de temps et promotion de 2 jeunes promotion une promotion police 2 jeunes augmentation grade salaire et puis il dit que direction pas qu'à venir à babier tant qu'on prend pas gouvernement pour la petite pas gain l'argent c'est parole direction hein. Et pour le gouvernement dégager ça c'est l'argent mais le règlement dit que après un certain temps, une police de jeunes nous grade, et de grade la vie avec un salaire. Il faut que le salaire dise que par contre, comment on promotion plus là, et pour que combien de temps de ne pas toucher, de ne pas payer grade là, à aux jeunes là, et puis tout vite qui ne pas payer. Mais pour le monde qui est dans l'ONAIO, en tout cas, un groupe policier, M. Sinapoa même, porte-parole syndicat, et bien il dit que d'ici mercredi, et bien, pour le policier qui demande de prêter l'argent dans l'ONA, pour régler les bagages, les problèmes qui ont été résolus, eh bien, l'ONA a commencé à toucher l'argent sur eux, alors que pour même aussi avoir prêt à faire des demandes, mais aussi, ils ont paré pour planter des piquetures devant l'ONA même, puis demander de qui prévient, de qui manigance pour proposer l'agence. En salut tout le monde, nous allons passer un très bon week-end, bonne semaine avec la Voix d'Amérique, et débrancher Nawa encore, Pita sur. Et dans le programme de la télévision. Et puis, pas oublier. Allez, Saint-Louis, sur place, la petite dernière information sur ce qui a passé exactement dans la Jamaïque. Bye bye tout le monde.